Yo mes petites Clémentines, c'est Prodéode. Oula, la vidéo bug un peu. Ouais, ça a été l'introduction. Du coup, on se retrouve encore aujourd'hui pour Alien Isolation. Toujours, continuons notre campagne. Toujours, je vous invite à aller voir les épisodes précédents si ce n'est pas fait, pour que vous compreniez mieux l'histoire, parce que là, on est un peu plongé dans quelque chose qui est bizarroïde. Je sais, ça fait beaucoup de temps à regarder, mais c'est ce que vous m'aviez demandé. Alors, je fais. Vous m'avez dit, Prodéode, fais des vidéos chaque jour. Prodéode, mets-nous plus de contenu, différent, etc. Vous m'avez dit, tu fais que du Arma. Ce qui était vrai, hein, je faisais beaucoup de Arma, pas que, mais beaucoup. En même temps, les autres vidéos avaient pas l'air de tant vous plaire que ça. Donc, je fais beaucoup de Arma. Et donc, bah voilà, je vous propose un let's play complet, hein, vraiment inclusif, complet, tout y est sur Alien Isolation. Il y aura sans doute rapidement d'autres contenus différents et assez incroyables. Alors, du coup, là, on est coincé dans la fameuse station Sébastopol à la recherche d'un kit de soins pour le bloc opératoire. Autrement dit, on est. Ça va forcément attirer l'alien, un truc comme ça. Et ça commence bien, hein? Bah, évidemment. Ça aurait pas été drôle sinon. Évidemment. Évidemment. Ah, juste, j'avais même pas besoin de me poser la question. Si ça explose, c'est que ça attire l'alien. Parce que n'importe quel bruit attire l'alien. Alors pourquoi ça n'aurait pas attiré l'alien, hein? Ça, c'est chouette, ça. Ça m'aide, ça. Ah, yes. Trop bien. Il manquait plus que ça. Bon, bah du coup, maintenant que ça a explosé, je ne sais pas comment je vais faire. Je sais pas où je dois aller déjà. Rien ne veut pas remonter maintenant. Et bah voilà, on est reparti pour une partie de cache-cache, hein. L'épisode 8, il fallait qu'on inclue un peu de cache-cache, sinon c'était pas drôle. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. En fait, il se déplace lentement quand on est proche de nous, mais alors quand il est loin, qu'est-ce qui va vite? Waouh! Bon, il est un peu évident que là, je peux pas vraiment passer. Même pas, à peine j'ai approché, à peine l'alien il est descendu. Et j'imagine évidemment que qu'on ne peut pas passer à travers les flammes. Ce serait trop simple. D'accord. Vous êtes prêts? Cette fois-ci, on va devoir respirer, je pense. Voilà. Voilà, c'est la fameuse chose dont je parlais à l'épisode précédent. Et là, on va avoir mal, voilà, on souffle. Si on respire pas, l'alien nous trouve et nous bute. Voilà, exactement comme ça. L'alien était remonté. Non mais, quand même, je vous assure, ce jeu est tout pété. Vraiment, hein. Je trouve ça vraiment dommage en fait. Parce que. Putain, on est obligé de recommencer tout ça. En fait, vous savez quoi, je m'en bats les couilles. Une fois n'est pas coutume. Hop. Voilà pourquoi ce jeu m'énerve de temps en temps. Parce que je trouve qu'il est mal fait sur pas mal d'aspects, notamment celui-là. C'est que quand on doit respirer et que l'alien est parti visuellement, en fait, il n'est pas parti sensoriellement. Du coup, bah, d'un coup, paf, il nous ouvre le truc. Alors que il est parti, quoi. Hein.
truc est plus là. Hein. Bon, le truc, la bête, là, elle est bien en bas. Elle est remontée maintenant. Je suis même pas descendu qu'elle est déjà présente, vous voyez, ça c'est... Ne tente rien, hop, pas les couilles. Le but pour moi, c'est de lancer la cinématique, voilà. Et de là, on est peinard. Ici Lingard. Vous avez vu la dernière fois la cinématique, pas besoin de la refaire. Évidemment, ça va repéter. Hop. Bon, on est à peu près retourné au même niveau, hein, d'accord, vous inquiétez pas. C'est juste que là, ça va péter, mais le reste du temps, on est retourné au même niveau. Donc là, il va falloir qu'on refasse ce retour arrière. Là, j'imagine qu'on va essayer de passer par là, mais on pourra pas passer. Et que par conséquent, on va devoir passer par là et arriver au bloc opératoire par là-bas, je pense. C'est une supposition encore une fois. La maison médicale Saint-Cristobal recommande la Sixon. Voyager l'esprit tranquille. Et genre l'alien en passant devant le truc peut pas lui-même faire exploser le conduit? Ça... pas possible. Non mais c'est des places vides, c'est un truc de fou, hein. Vraiment, hein. Allez, cette fois-ci c'est la bonne, elle est pour nous. Allez, vous êtes prêts, on va encore devoir retenir notre respiration. Cette fois-ci, je me tue. Merde, je me suis pardonné un medikit. Ah, je vais mourir. Ah, le poulet. On va voir, hein. Mais je doute que ça passe. Je suis un beau gosse en vrai. Je m'étais déjà remis de la santé. Une fois c'est bon, deux fois c'est un peu beaucoup, je trouve quand même, hein. Tu pourras faire un effort, l'alien. Alors. Du coup, je suis obligé de passer comme ça. Je suis descendu où moi? Je suis descendu là, je crois. Je pense que oui. Ouais, c'est pas très clair tout ça. Hein.
fait, dans le jeu, je devrais dire des conseils en fait. Savoir comment est-ce que comment bien réussir Alien Isolation. Savez quoi, je vais regarder tout de suite. Alors, conseil Alien Isolation. Peut-être qu'en fait, au bout de 90 trucs et astuces pour survivre. Alors. L'alien ouvre les casiers mais regarde aussi sous les tables, vous êtes à l'abri nulle part. D'accord. Faites attention aux sorties de ventilation au plafond. L'alien peut sortir par là. Si vous voyez de la bave qui coule dans l'une des sorties, c'est que l'alien vous attend. D'accord. Lorsque vous êtes dans un casier, pas besoin d'avoir de la QTE. Je sais pas ce que c'est. Pour vous dire. Qui vous dit que de vous reculer et vous retenir vos respirations. Bien sûr que vous l'avez fait, faites-le. Mais lorsque l'alien rôde dans la pièce où vous êtes planqué, restez en arrière de votre casier et n'utilisez pas le détecteur, ça marche aussi. Pas besoin d'avoir la queue la. Ah oui, en fait, le truc qui vous affiche de retenir votre respiration. D'accord, donc en gros, si je recule dans le casier, il est possible que je survive. Ok, bon, on va tenter, hein. Il me semble que marcher debout et marcher accroupi ne fait pas le même degré de bruit dans le doute rester accroupi. Le détecteur attire l'alien, et ça je peux le confirmer. Avant, je l'avais toujours en main, mais je ne faisais pas 3 pas sans que l'alien soit à proximité. Aujourd'hui, je teste sans jamais utiliser pratiquement, et eh bien je peux vous assurer que c'est bien plus safe. D'accord. L'alien vous repère de loin, en expert, en facile et bigleux. S'il est à 40 mètres devant vous dans un couloir avec pas grand-chose pour vous cacher, il vous grillera direct. D'accord. D'accord. Ok, alors attendez. Non, mais c'est des conseils super intéressants. Alors, lorsque l'alien est dans les ventilations, il peut y rester assez longtemps. De plus, s'il descend pour faire une ronde, cela s'entendra au bruit. Il y aura un tout petit laps de temps entre le moment où il descend et le moment où il chasse. Temps qui permet de se trouver une petite cachette de fortune. En gros, si vous entendez l'alien au plafond, ça veut dire que c'est safe. Marchez tranquillement va être votre objectif. Le truc, c'est de ne pas paniquer, de rester toujours en mouvement. Le détecteur de mouvement est un faux ami. En plus d'attirer l'alien, il paniquera souvent pour rien, vu qu'il sonnera souvent quand l'alien est très proche, mais au-dessus de votre position. Personnellement, je ne l'utilise que pour 2 choses, chemin vers notre objectif. Et être sûr qu'Alien est dans le plafond. Concernant les cachettes, prendre en dernier recours les placards ou les petits meubles, puisque en plus d'avoir une vision limitée de la zone, l'alien peut quand même vous prendre. D'accord, mais il faut faire quoi? De même pour les lits qui ne servent à rien suivant la position de l'alien. En gros, si depuis sous le lit vous voyez parfaitement l'alien, ce dernier vous verra aussi. D'accord. Concernant les humains ennemis, je déconseille de les affronter. Non, on s'en fout. De même pour les lits qui ne servent à rien. Faux, je suis mis sous le lit, très visible, et il ne m'a jamais vu en mode normal. D'accord, bon. Est-ce qu'on peut faire fuir l'alien avec un taser, par exemple? Ouais, des conseils intéressants, mais ça m'aide pas plus que ça parce que. En gros, là où je suis, là, c'est pas bien. Selon les experts. J'ai pas envie de tenter maintenant de pas respirer, vous savez.
suis pas le seul à avoir entendu une sauvegarde. Mais vite fait, hein, quand la ligne est passée. Donc je sais pas où est-ce qu'elle est cette sauvegarde. Mais je l'ai entendue. Qu'est-ce qui me saoule? Allez hop, bas les couilles. Il est dans les conduits. C'est quoi ce bordel? Donc là il est dans les conduits, apparemment c'est safe. J'écoute les conseils. Je vois la sauvegarde. Ouais, c'est notre priorité, c'est la sauvegarde. J'ai pas entendu descendre en fait, mais au moins j'ai sauvegardé et je suis plutôt content de moi. Alors, donc là je suis au poste de sécurité. C'est quoi ça? Attendez, légende. Verrou, mot de passe. D'accord, et ça veut dire quoi ça, verrou, mot de passe? Qu'est-ce que je suis censé en faire? Deux, cinq, ok, 0,5. C'est Mels, j'arrive. Pourquoi tu parles? T'es toute seule. T'es toute seule avec un alien dans le coin et la première réaction que t'as c'est hey, faut que je parle. Donc j'utilise pas le détecteur. Parce qu'apparemment ça attire l'alien. Tous les patients en transition doivent fournir leur numéro d'équipage et leur identité. Chouette. Oh. C'est glamour ici. C'est un vrai cauchemar ici, Samuels. Tu parles. C'est chouette. Alors, chercher quelque chose dans le bloc opératoire, et donc là faut que je fasse quoi? Faut que je tourne ici. Non, je suis avec d'autres humains. Donc autrement dit, si je suis avec d'autres humains, c'est eux aussi qui peuvent se faire bouffer. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Ça. Ok. J'utilise pas mon truc. J'utilise pas mon truc. J'utilise pas mon détecteur. Si j'en crois bien. Samuels, j'ai les médicaments. On ferme la gare de transit devant la réception du centre médical. Ripley, nous avons entendu les tirs. Et si on les a entendus, la créature aussi. Thank you.
d'ici là, San Cristobal. Bouclez la zone et faites en sorte que personne n'y touche. Et là, faut que je fasse quoi, là? Accéder à la réception du centre médical San Cristobal. Et je fais comment? Comment je fais? Dis-moi tout, comment je fais? Parce que là, si je repasse par là, il va y avoir les méchants. Comment je fais? Peut-être passant par là? Jusqu'à ce que Garcia réplique avec le légiste. Je passe comment, du coup? Tu sais, bouche cousue pour le moment. Pas un mot. Faudrait surtout pas que la station cède à la panique. Oh, et encore une chose, si je découvre qui a balancé à Ransom, je lui ferai bouffer son badge. Il est arrivé comme une fleur, a prétexté les privilèges de Sixon, et s'est assis aux premières loges pendant tout ce bordel. C'est un incident grave. J'ai vraiment pas besoin que Ransom vienne compliquer les choses. Waits, terminé. J'ai envie de me balader avec une bombe tuyau dans la gueule. Histoire, genre, juste pour tester en fait. La ligne n'est pas loin, vous avez pu constater peut-être. On vérifie, hein, on essaye, on teste, on tente. Bon, il faisait quoi? Ras-le-bol. Ok, il y a du monde. Il y a du monde. Le problème, c'est que si je me débarrasse des humains... Attendez, parce que il y avait un conseil incroyable qui était donné sur les humains. Donc on va le relire. Parce que je l'ai pas lu, parce que je m'en foutais un peu, parce qu'il n'y avait pas d'humains. Et pof, d'un coup, il y a des humains. Concernant les humains ennemis, je déconseille de les affronter ou même d'utiliser un gadget pour attirer l'alien sur eux. Ce dernier finira bien par tomber sur eux sans votre aide. Et avec un peu de chance, vous serez carrément de l'autre côté de la zone de bataille. Oh, très bon conseil, très bon conseil. Ça vient des conduits. Criez dès que vous voyez quelque chose. Chouette. Je suis en train de m'auto-étouffer dans mon truc. Quelqu'un a trouvé quelque chose? La maison médicale Saint-Cristobal recommande la mutuelle Sixon. Voyagez l'esprit tranquille. D'accord, donc il les bouffe un par un là. Bien ce qu'ils avaient dit. Le problème c'est que là, si je sors, vous imaginez bien que je suis bouffé moi aussi. Allez, on va le laisser se balader. C'est un humain, ça. C'est pas l'alien. Ça, c'est l'alien. Respire. C'est bien, Alien Isolation, hein. Vous aimez, hein.
Pas de sentiment. Pas de sentiment. C'est triste, je sais, nous avons perdu des camarades humains. Mais ces humains voulaient quand même me buter. Donc pas de sentiment. C'est bien ce que je disais, l'alien est bel et bien. Ouais, c'est ça. Il m'a vu. Fais chier quoi, me fais pas mourir maintenant. Ah, il va me demander de respirer maintenant, c'est sûr, c'est évident. Ça suffit. J'ai pas passé loin, hein. J'ai pas envie de faire juste le retour arrière et continuer à respirer. Parce que je me dis que j'ai quand même de grandes probabilités de mourir à ce moment-là. Bon, il est à nouveau dans les conduits. C'est actuellement notre jour de gloire. Pas du tout notre jour de gloire. C'est carrément pas de peau d'ailleurs. Ah ouais, mais je fais ce que je peux, moi, hein. Encore. Je peux pas plus. Ah ouais, mais je peux pas plus, moi, t'es marrant. J'ai plus de souffle, en fait, de toute manière, je mourrais. J'avais plus de vie. Donc en fait, quand je retiens mon souffle, c'est ma vie qui diminue. Oh, je suis à nouveau ici. Oh, votre passe requis. Allez hop. Bon, alors faut qu'on la refasse. Ah, chouette. Ça fait combien de temps de vidéo jusque je vois 29 minutes. Ouais, chouette. Franchement, c'était un vrai plaisir. Ok, 25.05. Allez, on est parti. Bon, clairement, je m'en fous là. Tu vas faire yes, Samuels. Voilà. Samuels. J'arrive. J'arrive. Super. Voilà, nickel.
Voilà. Moi aussi j'arrive, on est tous contents pour toi. N'est-ce pas trop chouette? C'est un vrai cauchemar les 6 Apples. Ok. Essaye, il y a un humain. La maison médicale Saint-Cristobal recommande la mutuelle Sixon. Voyagez l'esprit tranquille. C'est pas le bon endroit. Eh merde. J'ai voulu aller trop vite. Trop vite vers la sortie. C'était une erreur. Miam du sang. Chouette. Par contre, ce qui est quand même plutôt dommage, je trouve, c'est qu'ils auraient pu faire tomber du sang. Enfin, quand on marche, vous voyez. Quand on marche par terre en du sang, ça aurait pu être cool que. Vous voyez, genre le sang. On laisse des marques au sol. Je sais pas si vous m'avez compris. Je peux crafter des trucs. Rien pour le moment. Samuels, j'ai les médicaments. Nous sommes à la gare de transit, devant la réception du centre médical. Mais nous avons entendu des tirs. Et si on les a entendus, la créature aussi. Non. La réception du centre est un cul-de-sac. Je peux pas sortir. C'est la seule sortie possible. Ripley, c'est un hôpital public. Il y a forcément une procédure d'évacuation. Quoi ? Les infirmières synthétiques travaillent dans ces locaux. Vous pouvez également demander à recevoir des soins humains. Donc, on est dans les urgences. Tout va bien.
Je suis absolument pas stressé, tout se passe pour le mieux. Mais bon, quand je vais revenir, il est évident qu'il va y avoir l'alien. C'est ça qui me fait plus chier qu'autre chose. Alors... proche ou pas, ça me dérange pas plus que ça. J'ai besoin. Pas très discret, hein. Alors, amorcer les procédures d'évacuation de la maison médicale. Mais bah, c'est ce que je viens de faire, non? Ripley, est-ce que ça va? Ripley. Pas maintenant. Alors, tu te calmes. Tu te calmes directement. Attendez. Cette vidéo, elle sera plus longue. Hein. Je vous assure, elle sera plus longue, mais c'est pour votre bien. Et parce que là, je dois à nouveau repasser par tout ce que j'ai fait avant, sans me faire choper par rien du tout. Sorte d'aide, c'est ça? Ah, c'est les fameux trucs! Ah, yes! Ça m'amène où ça? Non, mais parce que. Moi, je dois aller là. Oula, ça me montre très loin ça. Ouais, trop bien. Je rêvais que de ça.
Vous êtes en train de me dire que je peux pas repasser par les urgences et que je dois refaire tout le tour, c'est ça que vous êtes en train de m'expliquer en fait. Oh là là. Ça c'est le fameux du coup conduit qui fait ça, ça, ça. Ça. Là j'avais pas vu, je peux pas sortir dans les urgences. Donc ok. Chouette, hein, vraiment chouette, chouette, chouette. Bon bah écoutez, je vous propose qu'on arrête cet épisode ici et qu'on se retrouve très vite pour de prochaines aventures sur Alien Isolation. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Sur ce...